Je suis artiste sculpteur et aujourd'hui voilà, je présente une œuvre plutôt grand format pour la commanderie des Templiers d'Élancourt. La rencontre s'est faite avec les responsables de la commanderie qui a eu un coup de cœur pour mes boulots. La réalisation de cette sculpture qui s'appelle Shooting Star qui vient d'être installée. Donc, je suis assez content de l'emplacement, un bel écrin vert et puis aussi du patrimoine, des belles pierres. Cette pièce, je l'ai appelée Shooting Star, donc pour étoile filante en anglais. Donc bon, c'est vrai que la forme est assez évocatrice. Il y a une dimension temporelle à grande échelle, c'est-à-dire l'infiniment loin. Je parle des origines, donc de la genèse, et notamment un sujet qui me passionne, donc qui est l'eau et l'origine de l'eau sur Terre. Et du coup, voilà, il y a une théorie quand même dominante qui explique que l'eau viendrait des comètes, qui sont des boules de glace, et donc chaque molécule d'eau présente sur Terre est là depuis le début en fait. Donc l'idée, c'était de montrer un bolide céleste, un peu un véhicule en fait. De cette matière-là qui a permis la vie. Et aujourd'hui, je le présente en acier carbone, donc par définition qui va rouiller, et avec des éléments en acier inoxydable qui, eux, vont rester brillants. Donc du coup, l'idée, c'était de parler de la transformation de la matière de manière rapide et accélérée, et de montrer que par l'action de l'eau, l'acier va revenir à son état minéral, à savoir donc la rouille, et forcément, tôt ou tard, va se désagréger. Bon, dans le cas de figure, il y aura quelques centaines d'années. Mais l'installation de l'œuvre s'est faite aujourd'hui et elle sera dans la commanderie comme ça jusqu'au 2 octobre pour la Nuit Blanche. Donc j'invite évidemment les spectateurs à venir voir l'évolution. C'est ça l'intérêt aussi de cette pièce-là. D'habitude, je livre des œuvres qui sont finies. Celle-ci est en évolution.